Vive les mariés. Il y a quelques jours, Vincent Dessagna a passé la bague au doigt de sa compagne Mathilde Vernon. La preuve en image, puisqu'il a publié sur Instagram ce jeudi 3 août une première image des noces, dévoilant la tenue de sa belle. Elles sont maintenant bien loin, les années où il faisait le pitre sur le plateau du Morning Live sur M6 ou dans le film Les 11 Commandements. Vincent Dessagna, récemment éliminé de l'émission Les Traîtres actuellement en diffusion sur la 6ème chaîne, a passé un nouveau cap dans sa vie d'adulte ces derniers jours. Et pour cause, le compagnon de Mathilde lui a passé la bague au doigt. Si est-il sur son compte Instagram que l'éternel acolyte de Michael Youn a dévoilé deux images des festivités. Sur la première, on peut le voir en compagnie de ce qu'on imagine ses garçons d'honneur. Une belle brochette de Con RDS, écrit-il en clin d'œil au tube comme des Con RDS auxquels il avait participé en 2004. À ses côtés, le papa de Seven et Stellar, évidemment, leur ami de longue date Benjamin Morgan, l'humoriste Cartman ou encore François Dessagna, réalisateur et frère du jeune marié. Sur le deuxième cliché, publié ce jeudi 3 août, on peut découvrir les heureux époux en plein baiser dans ce qui semble être le cadre idyllique du Cap Ferret dans le sud-ouest de la France. Lunettes de soleil sur le nez, Madame porte une tenue toute en légèreté, agrémentée de manches transparentes ornées de broderies circulaires. Monsieur, lui, avait opté pour costume crème et une chemise blanche. Mais si est-il en jetant un œil à la story de l'acteur qu'on peut découvrir que Mathilde Vernon porte en fait un top et une jupe en tulle. Effet aérien garanti. Et, détail surprenant, leur photographe officiel de mariage n'est autre que Laura Elpa, participante de l'édition 2023 de Koh-Lanta sur TF1 remportée par Frédéric. Qui a lui aussi convolé en juste noce dernièrement avec sa belle Marine. Une petite tribu de 5 personnes, les internautes ont été nombreux à souhaiter de belles choses aux jeunes mariés, à commencer par Juju Fit Katz, Shirley Bousquet ou encore Ryan Bensetti. Et si le soleil n'était pas au rendez-vous pour la noce, nul doute que les tourtereaux et leurs proches ont passé une journée riche en émotions. En couple depuis plusieurs années déjà avant de passer devant Monsieur le maire, Vincent Dessagna et Mathilde Vernon, qui travaillent elles aussi à la télévision, sont à la tête d'une famille recomposée dont le petit dernier est né en 2020. L'acteur était déjà papa d'une fille prénommée Luna et d'un petit garçon, fruit de ses amours avec Audrey Garcia.